Thierry. Salut Dominique. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Tu peux me mettre trois très beaux poireaux, pas trop gros quand même. Pas trop gros. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Ah puis tiens, j'ai acheté du beau panais. Deux, ça va aller. C'est bon. Et oignons, on pourrait changer un petit peu. Les oignons, t'as pas autre chose? Ça, c'est bien. Ou sans ça, j'ai de l'oignon rouge. L'oignon rouge, si c'est pas trop sucré. Ah, ça, c'est bien ferme. C'est Monsieur Caillot qui me fait ça. Lui, il est dans... C'est amusant de les retrouver tous les deux, là. Il y en a un que je connais bien, c'est le chef, Dominique Boucher. Le deuxième, c'est le commerçant, le primeur. Il s'appelle Harry Cover. Il y en a un qui vend des légumes et il y en a un autre qui est le cuisinier. On a rendez-vous avec le vrai cuisinier, Dominique Boucher. Qu'est-ce qu'il raconte? Pour mon pot-au-feu, tu veux lui donner un petit côté poté? T'aurais pas un beau chou? Un chou... Si, alors là, j'ai... Ça, c'est un chou Milan. Reste un peu de lard. T'aurais pas quelque chose pour faire une salade ou... Si, je vais aller te chercher. J'ai du pissenlit. Ah, chouette, super. On a eu un arrivage de pissenlit. Génial. Je vais te chercher une poignée de pissenlit. Les pissenlits, j'adore ça. Voilà. Ah, les pissenlits, ça, c'est formidable. Ça annonce déjà le printemps, les pissenlits. Peut-être penser un petit peu de fruits, qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'il aime bien. Là, j'ai une très bonne variété de poires. J'ai de la beurre hardie, voilà. Elle n'est pas granuleuse? Non, du tout. Ça, c'est fondant, c'est bon. Hein. Ouais, encore, là, il fait un petit peu frais. Je pense à une chose, la crème de rutabaga. Oui. Petite lamelle de truffe dessus, au dernier moment. Tiens, je viens de recevoir un beau produit. J'aime bien celle-ci. Elle est bien ferme. Ouais, ça vient de Cahors. C'est une maison. Ok, Harry. Je prends ça, je prends ma petite cagette. Voilà, Dominique. Merci, Harry. Bienvenue à bord. Bonjour. On a rendez-vous avec Dominique Boucher. Maintenant, ça va être une histoire de minutes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut, chef. Enfin, j'ai repéré la tenue blanche. Tu sais que je te course, toi, comme on dit, hein, parce que pour arriver à te retrouver, toi, il est passé par ici, il est passé par là, le petit furet, il galope, il galope. Je reviens du marché, Jean-Luc. Bonjour. Mais je sais, tu crois que je t'ai pas surveillé? J'étais au marché pour toi. Le voilà, le beau Dominique Boucher, t'es avec tous tes amis. Ah, Ludovic, bien sûr. Un beau camarade, salut. On se fait la bise. Bonjour, monsieur. Salut, comment vas-tu, Jean-Marie? Jean-Marie, ça va? Je suis en train de me rendre compte que vous vous enquiquinez pas. Non, c'est un peu comme ça tous les matins. C'est qui a dit que le casse-croûte était la qualité des régions? Regardez à Paris. Absolument, c'est toute la magnificence du terroir. Jean-Marie, c'est ce que j'aime, toi. Ouais. Il sait ce que mais Jean-Marie, tu es originaire de quel coin, toi? Moi, je suis natif de Vesoul, la Haute-Saône. Vesoul. La Franche-Comté. Les belles potées, les belles choses comme ça. La cancoyotte. Les navets. Qu'est-ce qui se passe, les navets. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il va voir les navets. Pourquoi? C'est toujours comme ça? Il fait l'aller-retour comme ça? C'est toujours. Bon, faut le voir les navets, les enfants. Mais vous restez là, vous m'attendez 5 secondes. Tenez-vous fort, les enfants. Soyez brillants pendant qu'on est pas là. Alors, tes navets, vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de navets? Et là, tu ouvres la porte du théâtre, hein. Regarde. Ouais. Alors, ce panier... Regarde, un petit navet. Tu coupes comme ça. Et on le dégrossit comme ça. Voilà. On lui donne une forme, On lui donne une petite forme, on l'arrondit légèrement. On va lui donner de l'élégance. On détaille avec un petit emporte-pièce, une cuillère à racines. Et là, on va... légèrement... Tu es vide. Évidé. Voilà. Une fois que notre navet est vidé, qu'il a pris sa forme, on le cuit dans une eau légèrement salée et on obtient... Des petits navets cuits comme ça. Et on va juste les chauffer dans une poêle. Et pour agrémenter les petits navets, on a acheté des moules, un peu de vin blanc, un peu d'échalote. On les fait ouvrir. Une fois qu'elles sont ouvertes, on les décortique tout simplement et on les laisse dans leur jus. Alors, les petits navets, là, commencent. Ils frétillent. On va les dresser. Pendant ça, on va donner juste un petit coup de chaud à nos jus de moule légèrement crémé. On va mettre nos petits navets dans l'assiette. Quand les moules sont chaudes, on met les moules dans les petits navets. On peut être généreux, on peut faire tomber même quelques moules sur le côté. Hein.
Et là, on va arroser avec notre jus de moule qui a été réduit, légèrement crémé, monté au beurre, avec un soupçon de safran, et on arrose un tout petit peu nos navets. Là, ça s'appelle, alors vas-y, juste une petite recette, alors, retour du marché, à la manière de Dominique Boucher, vas-y. Les petits navets aux moules charentaises de Petit Renault. Voilà, on y va vite. On y va. Bon, oui. À mon avis, ça prend une certaine tournure, cette affaire. Ça bouillonne, c'est ça. Vas-y, hop là, je t'emboîte le pas. Bon, le plat que tu viens de faire s'appelait les petits... Petits navets confits avec les petites moules, je réduis... Vous entendez ? Dans l'ensemble, vous faites le matin le casse-croûte et puis vous glissez tranquillement. C'est un peu, comme disait Robert Sabatier, l'écrivain, il faut toujours faire la sieste avant d'aller dormir. Moi, j'adorais cette expression, mais il faut toujours casse-croûter avant de passer à table. C'est ça un peu le principe. Jean-Marie a un secret, il fait une salade qu'on mange ici. Une salade de mâche avec des œufs pochés. Et un peu de boudin, il te fait frire un petit peu de boudin. Fais-moi ta petite salade un petit peu là. Laisse-moi faire le boudin, toi tu fais la salade. Okay. La salade, c'est pas difficile. J'adore t'égarer, toi, ici. En fait, tu es originaire des... Charente-Maritime. Tu as l'habitude d'aller flâner un peu chez les artisans et... Ouais. Bah, je sais qu'ici, c'est un repère de coquins. Oui. Jean-Marie, c'est pas mal. Maîtrise la sauce. On est en plein 8e arrondissement, les enfants, les ministères sont pas loin. Tout le monde a le nez dans les dossiers tout de suite. Et regardez, pendant ce temps-là, il y a un homme qui fait le va-et-vient entre sa maison et ce petit bar chez le fameux Jean-Marie. Et regardez comme la vie est belle. Très beau. Salade de mâche. Des œufs pochés, là, t'as pas ça? Non, ça. Au petit boudin. On a tout sous la main. Deux mois des œufs pochés. Bon. Comme tu fais d'habitude, vas-y. Voilà. Mais alors, il se va casser le boudin. Il s'en mêle. Alors, qui est le leadership, là? Qui est le leader? C'est toi, Jean-Marie? Je sais pas, il y a une dualité. Lorsque le chef arrive, c'est vrai qu'il est très dur de prendre la queue d'une casserole. Mais celui qui a le plus d'étoiles et la plus grande toque, c'est toi, quand même, il faut le reconnaître. Alors, quel est le vrai casse-croûte charentais? C'est quoi? Il y a toujours la mode des cagouilles, non? C'est ça? Non, le casse-croûte charentais, c'est surtout l'éclate de moule, si tu sais, sur le bord de la plage. Ah oui, raconte comment ça se fait, ça, avec les aiguilles de pain, non? Raconte-nous comment c'est. Sur la planche avec les aiguilles de pain. Chez nous, en Charente, on aime beaucoup aussi sur les sarments de vigne. Donc on les fait brûler, on fait une braise. Et on met une grille dessus avec les petites moules et on les ouvre dessus comme ça. Et elles doivent ouvrir, et puis là, on les mange, c'est un brûle-doigt comme ça, c'est fantastique, c'est parfumé et tout. Jean-Luc, je suis désolé, j'ai de... Les blettes qui m'attendent, donc... Les blettes m'attendent. Qu'est-ce qu'il fait de la manche? Vous allez la manger, mais non, mais attends, Jean-Marie, ne désespère pas, il a les blettes qui l'attendent. Alors on y va, allez, hop, on va voir les blettes. Allez, hop là. Ça chauffe du côté des gamelles. La blette. Simplement les poêler avec un petit peu d'huile d'olive, tout simplement. Très bien, oui. On va les poser sur l'assiette. Ce que j'adore, c'est qu'à côté, on est en train de manger avec les doigts là-bas, entre copains. Et là, on mange avec des pincettes. Regardez les pincettes. Voilà. On les pose sur l'assiette. Ensuite, on va prendre trois belles coquilles Saint-Jacques. Oui. Qu'on va légèrement ouvrir. Oui. On va prendre belle truffe de chez Haricots Verts. Et on va la glisser. Elle doit être comme ça, très, très vénurée. Oui, hein. Regarde. Magnifique. Sans. Ça marche. Et on glisse à l'intérieur. On dit que l'on contise les coquilles Saint-Jacques. Et on lui donne à manger. C'est une sorte de millefeuille. Et on va simplement raidir la coquille Saint-Jacques. Délicatement. Et pendant ce temps-là, tu avais un petit casier de veau, non? Ou une côte de veau? Alors, on va laisser cuire la coquille Saint-Jacques. À peine 40 secondes. Juste blondie de chaque côté. Ouais. Et... Vas-y, juste surveille. Vas-y. Regardez, juste accompagner le garçon, là. Voilà. Côte de veau qui cuit depuis environ 1h20. On la laisse. Vous étiez sur l'autre programme, puis vous êtes arrivé en pleine escapade gourmande et on avait déjà préparé la côte de veau en douce. Formidable la vie. On revient sur la coquille Saint-Jacques, on la retourne, on la fait blondir. Un petit peu de sel, fleur de sel. Et là, un peu d'exotisme. On va déglacer avec du saké. C'est exotique, c'est parfait. On retourne. Ça, c'est ton coup d'œil, ça. Voilà. On remet
un petit peu sur les selles. Et là, tu enlèves délicatement les coquilles Saint-Jacques. Tu les poses dessus. Sur le... Quel est l'intérêt du saké ? L'intérêt du saké, le saké, l'alcool de riz, donne un petit goût sucré, parfum, le côté amidon qui se marie très bien, qui va contrarier l'acidité de la verdure. C'est joli les mots de la cuisine, ça fait un contrarier l'acidité, voilà. Ça, c'est très beau. Juste un petit mot sur la côte de veau ici, là. Alors, on va poser notre côte de veau à l'intérieur. À l'intérieur. Oui, très bon, très bon. Et là, des braiser quelques endives. Des petites endives. On remet un petit peu de jus dessus. Voilà, on réentretient l'endive. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà. Et voilà. Et le petit jus, tu veux. Ginette dirait le petit jus. Sur la côte. Voilà. Mais il y a toujours dans la cuisine. Il y a toujours, toujours un mais dans la cuisine, c'est. Le gigot de 7 heures qui m'étonne. On va y ajouter un petit peu de jus, de gigot. On revient au gigot de 7 heures dans quelques instants. Voilà. Il va apporter le moelleux. Juste un petit mot sur ton gigot, là. C'est un plat qui me suit depuis toute ma jeunesse. Oui. Qui m'étonne dans sa sauce au vin pendant plus de 7 heures. Comment tu fais, toi, le gigot de 7 heures ? En un mot, avant qu'on les retrouve. Ah ben non, mais enfin, c'est pas quand même un secret, il y en a ras-le-bol des secrets. On fait rôtir, on désosse l'agneau, on le fait rôtir, on l'agrémente d'aromates, oignons, échalotes, bouquets garnis, etc. On le met dans une grande marmite avec beaucoup de vin, une dizaine de litres de vin. On une dizaine de litres de vin pour un gigot. Et on fait réduire jusqu'au moment où on ne nous aperçoit plus. Et puis ils se demandent même ce que l'on devient là-bas de l'autre côté. Parce qu'ils y sont devenus tout petits, on dirait des gigots de 7 heures. Eh bien, on va y retourner. Allez, hop, je t'emboîte le pas. Alors là, la batterie du sable. Alors là, les blettes. Vous voulez des nouvelles, des blettes, non? Oui, oui. Ouais, les petites blettes. Voilà, vous voulez des nouvelles, des petites blettes? Allez, des blettes à sketch. Dis-le. Alors, les blettes, comment vont-elles? Petite blette, juste saisie à la poêle, voilà, comme ça. Accompagnée de coquilles Saint-Jacques, contisées avec une lame de truffe, déglacée au saké. Au saké. La petite connotation nippone. Voilà. Alors que là, vous étiez, les enfants, en train de casser la tête. On était en train de mélanger la doucette. Oui. Vous les avez pas mis, vous avez pas mis la doucette, comme on dit. Oui. En Auvergne, dans le sud. Sud de la Loire, on est toujours la doucette, d'ailleurs. Oui. Et là, c'est resté. La mâche sauvage. Oui. Et faire comme ça, c'est un bout de province quoi, qui est mis à Paris. Oui, et ça, c'est le bonheur de cette capitale. C'est un coin de terroir. Ce n'est pas un fond de terroir, mais c'est un coin de terroir. Oui. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis en train de faire les œufs Jean-Marie. Oui. Pourquoi? C'est des œufs, quoi? Normalement, il nous les fait que le soir, après 19h. Et toi, Ludovic, t'adores ça. Moi, j'adore ça. Sillonner la France comme ça. Tous ces endroits-là, c'est la vie. C'est de la vraie vie. La vraie vie. Et moi, j'adore chez Ludovic Métivier, toujours cette élégance, sa petite pochette et tout. Et là, tu mets un petit peu de... Ah oui. C'est des petits champignons qu'on a trouvés. Ah oui. Voilà. Et alors, on adore faire des émissions régionales, donc on le sait bien, chaque semaine. Et bien là, c'est le champignon de Paris, c'est la truffe. Le fameux champignon de Paris, le voilà. C'est la truffe. Avec en fil lamelle. Tiens, je te passe un couteau, vas-y. Merci, voilà. Merci, mais c'est pas le couteau aujourd'hui. Et là, c'est quand même pas mal. L'ustensile extraordinaire qui magnifie le Salers. Ah oui, oui. Salers, s'il vous plaît, Auvergne. On a mis un coup de Périgord, on a mis des œufs de petites poulettes d'où? Qui viennent d'où? Les petites poulettes de Bresse? De Bresse. De Bresse, un petit peu de Salers d'Auvergne. Et regardez comme les terroirs s'entendent bien dans la même poêle, ici en plein 8e arrondissement. Ça, c'est joli. Ça, ça s'appelle la fondue Rutrayer. T'as 2 minutes, ta recette prochaine peut attendre 5 secondes parce que j'aimerais faire un saut en cuisine. Je peux? Je surveille les œufs. Avec votre bénédiction, monsieur Jean-Marie, je peux rejoindre le chef? Absolument. Comment s'appelle-t-il? Angèle. Angèle. De la fourchette, eh bien, je vais le voir. Mais, voilà, continuez bien donc temps, de casser la croûte. Et puis, je vais aller voir de quelle manière ça se passe. Alors, comment ça va, chef? Ça va chef bien. Angèle, ça va bien?
Bonjour. Alors voilà, voilà le secret des petits bistrots. C'est marrant parce qu'on passe de Dominique Boucher qui est en train d'élaborer une recette et puis 30 mètres plus loin, ben derrière le fameux Jean-Marie, ben il y a un chef, là, Angèle, le beau chef. L'idée, c'est de faire des plats de... traditionnels français. Et alors là, c'est un magnifique. Oh, je leur montre ça. Oh là. Avec plat de côte, jarret, choux, carottes, navets, céleri. Un bouillon depuis 4 heures. Et le, c'est que du plat de côte, le pot non, c'est du jarret et du plat de côte. Du jarret et du plat de côte. Comment on dit là, c'est de l'andouillette 5A. 5A, et qui est à la Beaujolaise, ça veut dire, qui est servi... avec une sauce à base de Beaujolaise. Les os à moelle sont là, regardez, là, c'est beau, très très beau. Ici, c'est... du chou. De chou pour accompagner. Là, c'est... ici, nous avons une sauce à base de champignons qui accompagne un rôti de veau. Qui est le plat du jour. Qui est un des nombreux plats du jour. Le rôti de veau qui est là. Et là, alors, là, c'est un autre plat du jour. Ouais, là, c'est un... Écoutez le froufrou de ce plat-là. C'est un... fricassé de lapin au romarin. Au romarin, avec le romarin qui est juste posé par-dessus. Croyez-moi, quand il pleut en Paris et qu'il fait froid, et que l'on vient chez Angèle, chez Jean-Marie, et que l'on mange une fricassée de lapin au romarin, il y a de la belle vie dans les quartiers. Merci, chef. Oh, quelques pommes au beurre. Alors, oula, regarde. C'est et le chef Angèle, Jean-Marie, formidable. Il prolonge ton idée. Absolument. C'est-à-dire que tout ce que tu as sous le béret... C'est mon bras armé. Non, mais tout ce que tu as sous le béret, lui, il le fait là-bas dans des plats. Absolument. Et qui a pas envie de passer. C'est le réalisateur. Oui, oui, c'est le réalisateur. Voilà. Regarde. Que donnent les pommiers vésuliens. Ça, c'est la tarte du jour, voilà. Voilà. Une petite pâte, mi-feuilletée, mi-sablée. Absolument, c'est... mais dans toute sa simplicité, son dénuement. Bon, la tarte, c'est gentil, mais moi, j'ai les choux qui m'attendent. Oui, les choux. Les choux farcis. Hop là. La porte du théâtre se ferme. Alors, le beau chou, là, donc, le beau chou. On enlève les plus grosses feuilles. Très bien. On le déshabille, en fait. Le chou, oui. On trempe dans de l'eau bouillante, simplement trempée. Oui. On étale sur une assiette. Oui. Et puis, on va prendre quelques cuisses de canard qu'on va désosser, dénerver. Et on fait une petite farce avec... rajouter un petit peu de foie gras. Et on met cette farce à l'intérieur d'une feuille de chou. Une feuille de chou. Et on lui donne un petit aspect de ballon. Ou de cœur. Moi, je dirais que ça palpite comme un cœur. Une fois qu'on a mis notre farce de canard dans la feuille de chou, dans un bouillon. Et alors, le bouillon, c'est quoi, le bouillon? Bouillon de volaille, classique. Un petit bouillon avec les carcasses du canard. On met un petit peu d'aromates, de thym, laurier, oignon, ail. Et puis, on fait cuire plusieurs heures. C'est un fond, quoi. Ensuite, au bout d'une vingtaine de minutes, notre chou... Il a été poché. Et on va l'arroser généreusement de ce fond de canard. L'intérêt, c'est de retrouver le goût du canard. Voilà. Qui va bien se marier avec notre farce. Canard, un petit peu de foie gras, la texture du chou. On retourne voir là-bas comment ça se passe pour le casse-croûte. When she leaves, she's just asking to be followed. When she walks out, okay. Ce que je viens de voir, c'était formidable, le petit chou. Il est emmailloté, ce petit chou. Mais regarde, la touche finale. Alors là, c'est quoi? Là, c'est le... Ah, c'est un vrai calvados de Pays d'Auge. Oui, et même l'homme de Vesoul fait le calvados du pays de la... Oui. De la couetche. Il flambe. On est le pays des flambeurs du déjeuner. Regardez comme c'est beau. T'as encore quelque chose, non ou pas? Parce que maintenant, moi, j'ai pris goût à l'histoire de passer encore chez toi. Oui. Pissenlit et puis un petit peu de... Merci. Fumée, légèrement croustillante, un peu comme le boudin. C'est vrai que ma mère va commencer, dès que l'hiver sera fini, quand la neige bavarde avec l'herbe nouvelle, ma mère va chercher les pissenlits en Auvergne. Les pissenlits n'attendent pas. Hein. Et les pissenlits n'attendent pas. Mais c'est une devise du jour, le pissenlit n'attend pas. Et dire que
On ne fait pas de sport dans une émission. C'est faux. Regarde, entre le casse-croûte et ici, on fait du sport. Je crois qu'après la charcuterie, un petit peu de verdure, ça ferait du bien, non? Pas mal. Comme les lapins. Oui, vas-y, vas-y. Alors, tiens, un petit peu de... Bourbuni. Un petit peu de pissenlit. Très bien. Tout simplement, on va le mettre dans un grand cul de poule. Et on va l'assaisonner. On a fait un petit mélange huile d'olive et balsamique blanc. Un tiers, deux tiers. Deux tiers d'huile d'olive, un tiers de balsamique. Oui. On les arrose un petit peu. Voilà. À mon avis, ça manque un peu de sel. Ça manque... Non, non, non. Non, 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 attends, tu vas voir. Ah bon. Voilà. Et là, on va les mettre dans notre saladier de présentation. Avant de mettre le sel, on va y ajouter des petits lardons de poitrine fumée qu'on a préalablement blanchis. On va les faire tomber dans la poêle. Juste un petit peu, ce n'est pas un lard fumé au départ, les enfants. C'est un lard qui a été cuit. Point final. Tes lardons par-dessus. Par-dessus. Je suis sûr qu'encore tu nous réserves une surprise. Parce que j'imagine qu'avec ta poêle chaude, tu vas faire des trucs. Ah, je le sens. Regardez comme c'est beau. Voilà. On dirait un arbre de Noël avec les boules de Noël et les guirlandes. On n'a pas fini. Après coup. Oui. On va mettre un petit peu de balsamique pour déglacer. La poêle chante, elle ne crie pas. Le lard criait, mais la poêle chante, nuance. Voilà. Un petit peu de vinaigrette à l'huile vierge. Que l'on fait chauffer. Et là, on va... Et par-dessus. Eh bien, je vais dire un truc, tu n'as rien inventé. Ma maman... Marcel Petit-Renaud en Auvergne, quand elle faisait les repas de batteuse, elle faisait toujours des salades comme ça, de pissenlit ou des salades tout simplement avec des lardons et elle mettait une sorte de vinaigrette chaude. Tu as raison et c'est souvent aussi, ce qu'on peut dire, c'est le jus de canard, tu sais, quand il est très très chaud. Le jus de la volaille rôtie pour assoupir la salade. Une salade crue que l'on va assoupir avec un petit peu de chaud à l'intérieur. Mais ça tout simplement avec une tranche de pain grillé, un bon pain de campagne grillé croustillant. C'est un plat génial. Vous ne répétez rien à nos amis qui attendent au bar. Deuxième recette. Là, on a pris... Oui. Je sais que tu aimes les légumes anciens. Oui. Les pennés, les rutabagas. Voilà. Ah oui. Alors, c'est les petits navets. C'est Harry les avait mis de côté pour toi. Oui. Donc, je les ai ramenés ici. Il y en avait quatre, j'en ai gardé deux. Les deux autres, je les ai épluchés. Et on en a fait un velouté. On a fait un velouté de rutabaga. Un petit peu de fond blanc, les pennés, les rutabagas épluchés, coupés en morceaux, cuits, ensuite mixés, légèrement crémés. Pour les présenter, je pense qu'on a une petite idée. On va évider nos petits ronds. On enlève vraiment les chairs intérieures. Et ensuite, on va verser la petite crème de rutabaga à l'intérieur. Et puis, comme au cinéma ou au théâtre, on ferme le rideau. C'est vrai? Et là, je pense qu'on peut aller chez Jean-Marie. Hein. On y retourne? Je pense que oui, il nous attend. Au pissenlit qu'on avait à la fin des travaux des champs, tu sais. On servait les pissenlits dans les banquets autrefois et on mettait le jus chaud de la volaille dessus. Tiens, regarde le chef Angèle qui pointe sa tête. Viens, chef. Le bonheur de ses escapades, regardez, c'est que le chef s'en ressort de sa cuisine. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'il a pris goût à la télé. Moi, ça me fait plaisir de vous conter la vie. Regardez, là, c'était une vie de quartier avec Jean-Marie et puis le joli Dominique Boucher. Merci pour cette jolie balade parce que tu es un vrai conteur et tu apportes toute cette fantaisie dans la cuisine et cette élégance sans que tu t'en rendes compte. Et moi, ça, c'est ce qui me plaît. Et puis les voisins, et puis tout le monde est là. La vraie vie. On est là pour la vraie bonheur. Merci. À bientôt. Je vous retrouve dans quelques jours et je vous embrasse. À bientôt, les enfants. À bientôt. Salut, les artistes. Salut. Au revoir.